Good morgen, Aleid, et nous étudions aujourd'hui les fois Travel Love, Ben Yehudit et Saritraya Batrikla Betor Shachol Israël, ainsi que le Nishmat Avram, Chayinor Ben Fortuna, Mazal Nachman Yosef, Ben Nachum Yedida, Bet Esaria, Konissim, Ben Chanam Achlof Micha, Ben Masodat, Betor, si vous savez, aussi d'une prochaine étude de Mishnah. Contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Meila, Perek Alef, Mishnah Gimel. Et Mourei Kadashim Kalim Shayats, ou Lifnei Zrikat Damim, Rabbi Eliezer Omer, En Mo'alin Bahen, Ve En Chayavin Alem, Mishum Pigul Notar Vetamin. Rabbi Akiva Omer, Mo'alin Bahen, Ve Chayavin Alem, Mishum Pigul Notar Vetamin. Comme vous pouvez le constater, les mots de cette Mishnah sont quasiment les mêmes que ceux de la Mishnah précédente. La première partie de la Mishnah précédente, où il y avait une marquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, à Behemet, parce que c'est réellement la même marquette, mais dans une autre configuration. Et la Mishnah, il a une nécessité de préciser que sache que la marquette qu'il y avait en haut pour les Kodesh Kodashim sera la même pour les Kodashim Kalim, même si la donne change un petit peu. Et j'explique tout de suite, d'abord en principe général, pour les Kodashim Kalim. Vous vous rappelez, dans la Mishnah précédente, on apprenait que lorsque je sanctifie mon Korban Khatat, il y a un interdit de Meila depuis tout de suite, jusqu'à ce que je finisse le Korban. Et lorsque le Korban va être achevé, c'est-à-dire que j'aurai aspergé le sang sur le Betamigdash, la viande va devenir permise pour les Kohanim, et dans ce cas-là, il n'y aura plus d'interdit de Meila sur la viande. Petite précision que je ne vous ai pas dit, mais qui est vrai, c'est que par contre, il y a ce qu'on appelle les émourim. Les émourim, c'est du mot les morts. Ce qui a été dit dans la Torah, concrètement, on appelle les émourim les graisses à faire monter sur le misbéach. La Torah elle a insisté à chaque fois que dans tout korban qu'on va faire, même lorsqu'on va devoir manger la viande, il y aura au minimum trois choses, cinq, dans trois parties du corps, cinq graisses qui vont, c'est le chélev justement, le chélev qui est interdit qu'on n'a pas le droit de consommer, c'est parce que dans les korbanot, il faut le donner au misbéach. Il y a trois parties là-bas, une partie dans le foie, une partie dans les reins, et une partie sur le ventre. D'accord? Akeres, Klayot et le Yoter et Akaved. Trois parties. D'accord? C'est ce qu'on appelle donc les Emurim, les graisses à faire monter sur le misber. Je reviens maintenant sur le Korban Khatat. Lorsque je suis sanctifié le Korban Khatat, je transgresse. Si je tire profit de l'animal, je tire un profit. Si je lui fais la shrita et je mange la viande, je transgresse un interdit de Meïla. Si j'espère, je le sens. Il n'y aura plus d'interdit de Meïla sur la viande, parce que la viande, elle a été permise pour les Kohanim. Mais les graisses à faire monter sur le Misbéach, l'interdit de Meïla reste en vigueur. Ok? Ça, c'était pour le Korban Khatat et Korban Hacham, qui sont des Kodesh Kodashim. Pour les Kodashim Kalim, Daïnu, c'est-à-dire les Kodashim qui ont une Kdusha moindre, eh bien, le principe, il est un peu différent. Il est que, concrètement, il n'y a pas de Meïla dans les Korbanot qui sont Kodashim Kalim. On ne transgresse pas l'interdit de Meïla si j'ai un Korban Shlamim ou un Korban Toda. Je le sanctifie, il n'y aura pas d'interdit de Meïla. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de profiter. Je n'ai pas le droit de profiter. Mais malgré tout, l'interdit de Meïla spécifique à le Korban Meïla, il n'y aura pas. Jusque quand? Jusqu'à qu'on va finir de faire le Korban, qu'on va asperger le sang, et que dans ce cas-là va débuter l'interdit de Meïla sur les graisses à faire monter sur le misbéach. C'est le seul interdit qu'il y a. Ok? Donc de ce fait, la Mishnah précédente qui nous parlait de la viande, eh bien on va voir qu'il y a exactement la même marloquette avec les graisses du Korban Shlamim, Kodashim Kalim, qui est à l'extérieur du Beit HaMikdash. À savoir, la question elle va être de savoir maintenant. On a commencé à faire la Shrita du Korban. On a réceptionné le sang. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui a fait sortir une graisse qui est censée monter sur le misbéach. Il l'a prise, elle l'a fait sortir en dehors de la Hazara. Et après, le Kohen, au Beit HaMikdash, il finit d'asperger le sang. Lorsqu'il va finir d'asperger le sang, eh bien la graisse qui se trouve dans le Korban, qui est restée pour le moment dans l'enceinte du Beit HaMikdash, bien évidemment, il y aura un interdit de Meïla. La question est de savoir, est-ce que la graisse qui est sortie à l'extérieur du Beit HaMikdash, qu'on ne pourra plus refaire monter sur le Misbéach, parce qu'elle est sortie à l'extérieur du Beit HaMikdash. Est-ce que, malgré tout, le fait d'asperger le sang va créer un interdit? Étant donné que asperger le sang va finir de sanctifier les graisses à monter sur le Misbéach, cette graisse qui est à l'extérieur du Beit HaMikdash, est-ce que, même si elle ne va plus pouvoir monter sur le Misbéach, malgré tout, il va s'appliquer désormais le niveau de Gdusha important, parce que maintenant, elle fait partie de la famille des graisses à monter sur le Misbéach. Tu as fait le Korban qui va enclencher l'interdit de Meïla sur ces graisses. La même discussion qu'il y avait dans la Mishnah précédente, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, se retrouve ici, à savoir sur l'interdit de Meïla, et aussi réciproquement,
Pigoul notar tamé. À savoir, selon Rabbi Eliezer, la question elle est gênée, elle est très simple en fait. Elle est quand il y a un morceau d'une entité qui se retrouve à l'extérieur du Beth Amikdash, est-ce que maintenant les halakhot qui vont s'appliquer sur le reste, qui est resté dans le sein du Beth Amikdash, vont entraîner les halakhot sur ce qui est sorti ou non? Ou est-ce que ce qui est sorti est devenu une chose distincte qui ne sera plus permise pour le Kohanim? Il a un statut différent, désormais on ne pourra plus de ce fait le consommer. Et on ne pourra plus en faire sa misva, et de ce fait, on n'enclenchera plus toutes les halakhot de pigoul, notar, tamé, meila. C'est exactement le même principe, et je traduis directement. Emure kodashim kalim, donc les graisses, qu'on appelle les murim, des kodashim kalim, des korbanot de niveau simple, qui sont shlamim, toda, bechor, maaser, pesach, sheyatzou, lifnei zrikat damim, ils sont sortis de l'enceinte de la hazara avant que l'on asperge le sang. Avant qu'on asperge le sang, une partie de ces graisses sont sorties à l'extérieur de l'enceinte de la Hazara. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer va me dire, tu sais quoi, ce qui est sorti dehors, en mo'alin ba'en, il n'y aura plus d'interdit de Meïla. Parce que lorsque tu asperges le sang aspergé va sanctifier, il va renforcer la kdoucha de ce qui est censé monter sur le misbéach, mais ce morceau de graisse qui est à l'extérieur, il ne va plus monter sur le misbéach, donc la kdoucha ne va plus s'appliquer sur lui. Et en l'occurrence, si elle a fait son korban, ben chayav ben elam mishum pigul notar vetame, les halachot spécifiques de pigul notar vetame, si cette graisse va rester jusqu'au lendemain, si cette graisse va être impurifiée, ou bien s'il va égorger le korban avec une mauvaise intention au-delà des limites de temps, est-ce qu'il y aura un interdit de pigul? Non, il n'y aura pas d'interdit de pigul, parce que c'est une graisse qui elle a été grillée, enfin elle a perdu sa fonction. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Tandis que Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, non, ce morceau de graisse a le même statut que le reste. Lorsque tu asperges le sang du korban, le sang aspergé va sanctifier ces graisses qui sont à l'intérieur, et même la graisse qui est à l'extérieur, tout va prendre le même statut en même temps. Dans ce cas-là, Mo'alin Ben, il y aura un interdit de Meïla, parce que le sang aspergé va maintenant finir de sanctifier la graisse, même si elle est à l'extérieur, et de ce fait aussi, et dans ce cas-là aussi, sur cette graisse, si elle va être impurifiée, il y aura un interdit de le manger, si elle est impure. Si ça va rester jusqu'au lendemain, alors on a transgressé aussi l'interdit de manger du notar. Et si le Kohen, lorsqu'il a aspergé le sang, il l'a fait avec une mauvaise intention, eh bien il y aura un interdit de pigoul sur cette viande-là. Pourquoi? Parce que la graisse qu'à l'extérieur, même si elle perd sa fonction, mais elle garde le même statut que tout le reste de la graisse, et dans ce cas-là, le sang aspergé implique et déclenche toute la lachotte, même sur ce morceau de viande ou morceau de graisse qu'est l'extérieur du Beth Amikdash. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Sela.